Donc voilà les gars, je suis à Asile avec Coco. On va faire la vidéo pour monter sur Asile par l'extérieur. S'il te plaît Coco, pas de tir, pas de bruit nocif pour les abonnés. Allez, c'est parti. Donc voilà. Donc je vous avais montré la vidéo pour monter par l'intérieur. Maintenant on va vous montrer comment monter par l'extérieur. Coco est en haut. Alors, vous prenez par ici là. Vous savez, il y a l'escalier extérieur. Vous montez dessus. Vous passez soit par là, soit franchement vous rentrez un peu à l'intérieur, mais vous pouvez le faire par ici. Vous ouvrez cette porte, vous rentrez, hop, vous la réouvrez à l'extérieur, vous montez sur le petit rebord, vous grimpez sur la porte, ensuite vous grimpez sur le petit muret et là vous longez tout doucement, tout doucement. Alors là vous faites le tour. Donc pour ceux qui connaissent pas Asile, bien sûr, c'est ici Asile. Ensuite, vous continuez ici, vous allez vous longer, hop. Vous allez jusqu'au bout ici. Quand vous êtes à l'angle, voilà, vous pouvez, mais là vous pouvez pas monter en fait. Hein, vous allez. Il faut un peu reculer, vous prenez un peu d'élan et vous sautez. Et là, voilà, on y est. Vous êtes au top d'Asile, comme d'habitude. Les snipers, tout ça, les gens qui veulent prendre de la hauteur. S'il y a des gens à l'intérieur, ils vont pas capter que vous êtes monté. Franchement, cette petite astuce est top. Je sais qu'il y en a une autre, mais elle est un peu compliquée. Je vais pas vous la montrer. Faut faire un saut décalé là. Franchement, bon, moi les sauts décalés, je suis pas un expert. Donc voilà, les gars, admirez quand même. On a une autre astuce pour monter sur Asile. Donc les gars, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à mettre un petit commentaire et aussi à vous abonner, ça fait plaisir. Et je vous retrouve pour d'autres vidéos sur Hydrofracturation. Et les gars, je vous souhaite un bon jeu à tous.